Salut tout le monde, c'est Romain pour Battlefield Nation et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et vous l'avez deviné, on ne se retrouve pas sur Battlefield étant donné qu'il n'y a pas de news actuellement sur Battlefield, mais on se retrouve sur Delta Force qui est un jeu en alpha et qui se rapproche grandement de Battlefield. Alors vous vous doutez, c'est bien pour ça que j'y ai mis les pieds. Aujourd'hui, on va parler de Delta Force, de ses points forts et de, de ses points faibles, bien évidemment, et de pourquoi vous devez y jouer en attendant la sortie du prochain Battlefield. Bien évidemment, et sans plus attendre, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner et à mettre un petit commentaire. Je les lirai tous. Et n'hésitez pas à me donner votre avis sur la alpha fermée de Delta Force. Je vous donnerai également dans cette vidéo les infos pour pouvoir accéder facilement à cette alpha. Dans cette alpha de Delta Force, vous allez avoir accès à plusieurs modes de jeu. Personnellement, je n'ai joué qu'au mode qui ressemble à Battlefield, étant donné que le côté Tarkovien du jeu, euh, je ne l'ai absolument pas testé, ce n'est pas quelque chose qui me plaît, et euh, donc je ne vous en parlerai simplement pas, je ne saurais pas vous dire la qualité de celui-ci. En revanche, on va pouvoir parler du côté un peu Battlefield-esque de, de ce côté de, de Delta Force. Euh, vraiment, pour une alpha gratuite, alpha fermée certes, mais un jeu gratuit. Euh, avec euh, deux cartes et une variété d'armes quand même assez élevée, là faut le dire pour une alpha, ben je m'amuse. Voilà, euh, je suis pas le seul à y jouer. On est plusieurs membres de Battlefield Nation à y jouer. J'y ai également joué en stream et la plupart des retours sont plutôt positifs, même si j'ai pu voir des gros streamers Battlefield jouer au jeu et juste simplement cracher dessus parce que ça ressemble à Battlefield. Ben personnellement, je m'amuse. Pourquoi ça ressemble à Battlefield Tout simplement parce que c'est ce qui fonctionne en ce moment, c'est ce qui se fait de, de bien, on va dire. Parce que 2042 avait mal démarré, euh, il s'est amélioré. Je pense que Delta Force a voulu récupérer ce qui était bien et le faire un petit peu à sa sauce. C'est un jeu chinois, c'est une copie d'une partie de 2042, il ne faut pas se le cacher, mais c'est une copie qui est sympathique à jouer et qui reste quand même une copie avec les bons côtés de Battlefield, même si tout n'est pas parfait, il faut le dire, comme la présence de bots et quelquefois le TTK un petit peu bizarre, mais sinon le jeu, honnêtement, il y a quelque chose, il y a une bonne vibe, il y a un truc qui nous attire et qui nous donne envie de rester sur le jeu, ça nous donne envie de rester. Le mode euh, donc en guerre dévastatrice ressemble comme deux gouttes d'eau au mode percé. Euh, le seul reproche que je peux lui faire, c'est exactement le même reproche que sur Battlefield 2042, c'est la présence de véhicules euh, un peu trop forts. Euh, la mitrailleuse des véhicules est juste absolument insane. Vous pouvez faire énormément de kills avec. J'ai fait quelques clips d'ailleurs avec, donc peut-être que je vous le mets en fond à l'heure actuelle. Mais euh, mis à part ça. Franchement, le jeu est vraiment pas mal. Pour un jeu gratuit, je vous le conseille si vous pouvez vous inscrire directement via la page Steam pour avoir accès à l'alpha fermée. Faites-le sincèrement, vous ne le regretterez pas. C'est un jeu qui vous passera un petit peu de temps, qui vous permettra de vous, entre guillemets, vous entraîner avant l'arrivée du prochain Battlefield. Personnellement, on n'a pas de date de sortie, on ne sait absolument pas quand est-ce que sortira Delta Force en version définitive, mais pour le moment, c'est un jeu qui nous occupe dans cet été bien triste pour ce qui est des FPS. Black Ops 6 arrive fin août, Battlefield on n'a pas vraiment de nouvelles mais on sait que normalement c'est pour l'année prochaine mais mis à part ça on n'a rien à se mettre sous la dent donc l'arrivée de Delta Force est quand même la bienvenue. Parlons un peu plus gameplay pour ce qui est de l'équilibrage, personnellement je trouve que toutes les armes grâce à toutes les évolutions que vous pouvez créer ont un style différent et on n'a pas vraiment l'impression de jouer avec la même arme à chaque fois, euh, contrairement à d'autres FPS euh, qu'on ne citera pas. Euh, le gameplay n'est pas trop fade dû aux armes euh, pour ce qui est de la personnalisation des armes c'est juste incroyable voilà. c'est un mélange de, de call of et, et de je ne sais quoi avec des modifications qui sont juste hyper poussées et ça fait plaisir parce que quand vous avez envie de grind un peu euh, c'est vraiment sympa euh, pour ce qui est après des déplacements je joue que assaut donc j'ai le slide euh, je trouve ça malheureux que ce ne soit pas disponible pour tous les persos. Comme par exemple pour le healer. Parce que bah, aller en courir, sprinter et slide pour aller réanimer quelqu'un, c'est quand même beaucoup plus euh, sympa et ça donne énormément de mobilité. Bon après c'est un peu le principe du coup de la classe Assaut d'être beaucoup plus mobile avec ses explosifs, etc. Mais bon je trouve ça quand même malheureux, que la mécanique de gameplay ne soit pas pour tout le monde. Parce que bah, ça ralentit un peu le gameplay. Euh, pour les snipers, je trouve qu'il n'y en a aucun de vraiment abusé, personnellement, oui, je me fais tuer across la map, mais que ce soit par des snipers ou des fusils d'assaut, c'est un petit peu la même chose, parce qu'une fois que vous avez setup votre fusil d'assaut comme vous le voulez, bah, finalement, vous pouvez mettre des lasers à 100 mètres, et, euh, bon, bah, vous pouvez rivaliser face à des snipers, il n'y a rien de vraiment très gênant. Pour les PM... Je vais me pencher sur leur cas parce que j'ai vu des trucs qui sont fort sympathiques, je vous en ferai des vidéos. Certainement une vidéo pour faire une classe vraiment OP sur la alpha de Delta Force. Donc ça peut arriver là rapidement si je me motive. Et d'ailleurs n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait d'avoir des informations sur ce jeu et des petits tips. Mais, mais voilà, au niveau du jeu, des mécaniques de gameplay, on se rapproche quand même vachement euh, de Battlefield. Euh, donc avec de la capture de drapeau, de la réanimation, des soins, des munitions à donner. C'est du 100% BF. Mais putain, ça fait du bien. Un petit peu de concurrence. Peut-être que ça repoussera euh, nos petits développeurs de chez euh, EA et DICE à, à aller euh, vers, le, vers le mieux euh, comparé à ce qu'on a pu avoir sur 2042. Bon très sincèrement moi j'étais pas fan de Battlefield 2042 même si j'ai eu fait pas mal de contenu dessus. Là ça y ressemble, mais ça y ressemble sans trop y ressembler. Voilà. Il y a des bons côtés, et puis euh, bah, c'est ce que je garde, parce que comme le jeu est gratuit, évidemment, j'ai pas la haine d'avoir payé pour un jeu à moitié fini. Euh, là on est sur une alpha, les choses sont quand même relativement claires et relativement bien finies. Pour ce qui est des graphismes et euh, du fait que ça tourne sur PC seulement pour l'instant, euh, ben je trouve que c'est pas mal. Alors au niveau graphique, ça c'est pas moche, c'est pas non plus extraordinaire, mais ça tourne bien. Ça tourne même sur des petites configs, donc c'est plutôt cool. Et pour l'instant le jeu est uniquement présent sur PC, mais il sera présent également sur console normalement à la sortie définitive du jeu. Et maintenant je vais vous donner les informations que vous souhaitez les informations les plus importantes pour savoir comment jouer à cette alpha fermée de Delta Force. Les premiers rounds de drop sont malheureusement finis mais vous pourrez participer au prochain round, le round 3 et le round 4. Le round 3 aura lieu le 10 août à partir de 16h des Twitch drop et il faut avoir votre compte Level Infinite de lié à votre compte Twitch, c'est bien important, vérifiez-le, inscrivez-vous sur Level Infinite. Et le round 4 le 18 août à partir de 1h du matin. Voilà, c'est toutes les informations que j'ai en ma possession. Vous les avez actuellement sur votre écran. Moi, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous a plu, même si celle-ci était relativement rapide. Je vous laisse. C'était Romain pour Battlefield Nation. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.